Guide complet des défis Eren Jagger de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de visiter des tours de guet. Alors les tours de guet, vous les voyez affichées sur la carte ici à droite. Il y en a plusieurs, donc moi je vais aller à la première la plus proche qui se trouve à Chatterhead Labs. Alors voici la nouvelle tour de guet. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en visiter 5. Donc là, je peux aller à Anvil Square et puis après je monte à la citadelle, il y en a 4 directement. Dès que j'aurai visité 5 tours de guet, ben là j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Détruire des structures avec les lances foudroyants. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les lances foudroyants. Donc vous pouvez les trouver dans des coffres normaux, vous pouvez les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite, et vous pouvez les trouver dans des coffres de l'attaque des titans. Donc les coffres de l'attaque des titans, vous pouvez en trouver un qui se trouve à Anvil Square dans la cave de Jagger, donc juste ici, donc je vais vous montrer sur le gameplay. Voilà, donc c'est dans cette petite maison là. Vous descendez dans cette petite cave et là vous avez un coffre de titan. Si vous, quand vous l'ouvrez, si vous avez de la chance, bah vous obtiendrez soit des lances foudroyants ou alors un harnais de manœuvre tridimensionnel. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'obtenir les lances foudroyants. Et ce que vous allez devoir faire avec cet objet, c'est tout simplement détruire des structures. Donc les structures, ça peut être des petites caisses en carton, enfin en bois là, comme ça. Des petites caisses en carton, voilà, comme ceci. Des murs, hein. Enfin, tout ce que vous allez détruire, en fait, c'est compris comme des structures. Et là, pour terminer le défi, vous allez devoir en détruire 50. Dès que vous aurez détruit 50 objets ou 50 structures, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Fouiller des mâles du bataillon d'exploration. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Anvil Square, juste dans ce bâtiment-là. Et là, vous allez trouver la cave de Jagger. Et dans cette cave, vous trouverez obligatoirement une malle du bataillon d'exploration. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de la fouiller. Et vous allez devoir en fouiller 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces malles de bataillon, vous pouvez en trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite. Alors, après, je ne connais pas tous les emplacements. Je connais que celui-ci pour l'instant. Mais je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à trouver. Donc, soit vous venez ici à Anvil Square et vous fouillez 3 fois le coffre de Anvil Square pour terminer le défi, ou soit vous en cherchez d'autres. Dès que ce sera fait, ben vous aurez débloqué les récompenses et vous aurez terminé le défi. Infliger des dégâts à des adversaires en étant en l'air. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous sautez d'une colline et vous infligez des dégâts avec un fusil d'assaut normal aux adversaires, ou soit vous utilisez le harnais de manœuvre tridimensionnel de Fortnite et vous cherchez un ennemi et ensuite vous lui infligez des dégâts en l'attaquant. Donc là, regardez, j'ai un ennemi. Je vais essayer de prendre de la hauteur avec mon harnais. Et là, quand je chute dessus, je l'attaque en visant et en appuyant sur R2. Donc, je vise et j'appuie sur R2 en même temps qu'en étant en l'air. Donc, regardez, je vais recommencer pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, vous vous propulsez en l'air. Voilà, comme ceci. Bon, après, c'est un peu délicat. Hein. Là, vous voyez l'adversaire. Vous visez et vous attaquez. Bon, là, je ne l'ai pas touché. On réessaye. Hop, là je l'ai tué. Donc normalement ça devrait valider le défi, on va voir. Infliger des dégâts en étant en l'air. Donc ça a bien infligé des dégâts. Donc dès que vous aurez infligé 300 de dégâts de cette façon ou d'une autre façon, en étant en l'air, très important, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Se propulser de 3 arbres différents d'affilée en utilisant le harnais de manœuvre tridimensionnel. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre ici à Anvil Square. À cet emplacement-là, il y a la cave de Jagger. Et dans cette cave, vous allez pouvoir trouver un coffre de titan. Donc, d'attaque de titan. Donc, vous ouvrez ce coffre. Et là, si vous avez de la chance, vous allez obtenir le harnais. Donc là, moi, j'ai eu des lances foudroyants. Donc, je vais sûrement relancer une game ou chercher un autre coffre. Parce que, en fait, ce genre de coffre, vous pouvez en trouver un peu n'importe où, apparemment. Et les harnais de ma manœuvre tridimensionnelle, vous pouvez les trouver aussi dans des coffres normales ou posés au sol comme ça sur Fortnite. Donc je vais peut-être en chercher un autre et ensuite ben, je finirai le défi et je vous montrerai comment faire. Ok, donc quand vous avez le harnais à manœuvre tridimensionnelle, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous propulser à 3 arbres différents. Donc vous cherchez 3 arbres et ça fonctionne un peu comme le grappin. Vous appuyez sur R2 pour vous attachez à un arbre, ensuite vous lâchez, vous vous attachez à un autre arbre, vous lâchez, vous vous attachez à un troisième arbre. Dès que vous aurez fait ça, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Toucher des adversaires avec le harnais de manœuvre tridimensionnel ou des lances foudroyantes. Alors pour obtenir ces lances foudroyantes ou le harnais,
Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Anvil Square. À cet emplacement-là, il y a la cave de Jagger, je vais vous la montrer. Okay, donc regardez, ici, il y a le pont de Anvil Square. Et juste ici, dans ce bâtiment-là, vous passez sur la gauche et là, vous avez un escalier et vous avez la cave de Jagger qui est juste ici. Donc, dans cette cave, vous aurez toujours obligatoirement la malle de bataillon qui est juste ici devant moi. Et cette malle va vous donner soit un harnais ou soit des lances foudroyantes. Donc si vous avez de la chance, vous obtiendrez les deux directement dans un coffre, comme moi je l'ai eu. Ou alors vous pouvez aussi trouver les harnais et les lances foudroyantes dans des coffres normaux ou posés au sol comme ça sur Fortnite. Après des malles de bataillon, vous avez aussi plusieurs emplacements, mais moi j'en connais qu'un seul à Anvil Square. C'est pour ça que je vous ai montré cet emplacement. Donc quand vous avez ces deux objets-là, ce que vous pouvez faire, c'est cumuler les deux objets si vous avez les deux. C'est par exemple, regardez, hop, je vais utiliser mon harnais, donc hop, je prends de la hauteur. Voilà, par contre, j'attaque, c'est pas bon. Voilà, là, je prends de la hauteur. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est d'utiliser mes lances foudroyantes en même temps. Vous avez vu? Donc ça, c'est assez stylé. Vous pouvez cumuler les deux. Après, vous n'êtes pas obligé. Si par exemple, vous avez que les lances foudroyantes, bah, vous cherchez un adversaire et vous lui infligez des dégâts avec les lances foudroyantes comme ceci. Bam. Voilà. Et si vous avez que le harnais, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement viser avec votre harnais, comme ceci. Et dès que vous voyez l'adversaire, vous appuyez sur R2 pour l'attaquer. Donc là, je vais le chercher, je ne sais pas où il est. Attends, il s'est volatilisé, je crois. Ok, il est là. Donc là, regardez, je le vise et je l'attaque avec R2. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de toucher 7 fois le même adversaire, je pense. Ou alors 7 fois des adversaires différents. Donc là, ça fonctionne avec le même adversaire parce que je viens de le faire. Donc là, c'est bon. Alors par contre, là, il y a un temps de rechargement. Et votre harnais a une barre de vie. Donc plus vous allez attaquer, là, je suis dans le rouge. Plus vous allez attaquer, plus vous allez abîmer votre harnais. Et à un moment donné, il va se casser. Donc voilà, dès que vous aurez touché cette personne ou cette fois le même adversaire, bah, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Touchez la nuque de différentes cibles de titan avec le harnais de manœuvre tridimensionnel. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra déjà le harnais. Alors le harnais, vous allez pouvoir le trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur Fortnite ou alors dans des manes, enfin voilà, des nouveaux coffres de titan que vous voyez juste ici en face de moi. Donc là, il y en a un à Anvil Square. À chaque fois, il sera là normalement. À chaque fois que vous irez à cet emplacement-là, vous trouverez un coffre. Donc vous ouvrez ce coffre. Si vous avez de la chance, normalement, il va vous donner un harnais de manœuvre. Et là, ensuite, quand vous avez cet harnais, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre aux emplacements qui sont affichés sur la carte ici. Et vous allez devoir toucher la nuque des différentes cibles. Donc là, il y a une cible, justement. Donc on va se rendre à cet emplacement-là et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc voilà la cible de Titan qui est juste ici. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher la nuque. Donc vous pouvez voir qu'il y a un truc dans sa nuque, mais je sais pas. Je pense qu'il faut juste attaquer. Ouais, c'est ça en fait. Vous visez avec L2 et puis ensuite vous attaquez. Donc là, je peux pas attaquer parce que c'est en train de se recharger. Mais vous visez et dès que la barre de recharge est bonne, vous visez et puis vous attaquez. Et vous touchez la nuque. Et vous faites ça à 4 emplacements de cibles qui sont affichés sur la carte. Dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Trouvez la cave de la famille Jagger à Anvil Square. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Anvil Square, voilà, juste ici. Et à cet emplacement-là, dans ce bâtiment-là exactement, vous allez voir qu'il y a la cachette de Jagger. Donc regardez, juste ici, donc je vous montre un peu où je me trouve plus ou moins. Donc là, il y a le pont. Là, il y a l'écurie, on va dire. Et ensuite, ici, il y a un petit escalier. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver la cave de la famille Jagger. Et dès que vous serez rentré dans cette pièce, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.